On peut considérer le Juwaza comme un espace d'études permettant d'expérimenter d'une part une forme de liberté et d'autre part le cadre dans lequel cette dernière s'inscrit. La liberté réside essentiellement dans le choix et l'expression des techniques utilisées en réponse à une attaque toujours identique. Elle responsabilise le pratiquant en l'incitant à la réflexion. Le cadre, quant à lui, se traduit par la contrainte qu'impose Ukeyatori à travers son attaque. Le Juwaza devrait ainsi permettre, à travers des mouvements dynamiques et fluides, de développer la spontanéité, la vigilance, la disponibilité, la constance, la concentration et bien sûr la détermination. De plus, la pratique du Juwaza amène à une forme de vision qui permet de découvrir les placements nécessaires au travail de l'anticipation. Par ailleurs, cet exercice suggère une vitesse d'enchaînement continue, conjuguée à un rythme d'exécution excluant toute hésitation. Enfin, il est possible de stopper le Juwaza à n'importe quel moment par une technique de projection ou d'immobilisation.